Just les V-Bucks? Surtout celui-là, donne-le-moi à moi. Non. Les amis, dans la main, j'ai 20 cartes de V-Bucks. Des 1000 V-Bucks, des 2800 V-Bucks, des 5000 V-Bucks, et j'en ai un. Et une carte 13500 V-Bucks. Qu'est-ce que c'est? Dans ces cartes-là, derrière, tu as un code que tu peux rentrer dans le jeu Fortnite pour ensuite mettre tous ces V-Bucks-là dans ton jeu et acheter des skins. C'est dans ma valise depuis déjà 2 semaines. On est offert aux abonnés dans une vidéo en faisant des combats et je me suis dit, go en offrir à mes potes. J'ai prendre les cartes, les cacher dans toute la villa, mon boy, dans des endroits extrêmes. Et à la fin, celui qui aura le plus de V-Bucks aura gagné le cache-cache des cartes V-Bucks. Alors, le truc, c'est que il y a une grande différence. Ça, 1000 V-Bucks, ça coûte 10 €. Ouais. Mais 13 500 V-Bucks, frérot, c'est beaucoup. Ça coûte pas 10 €, ça coûte extrêmement cher. Comment ça va se passer? Il va y avoir 2 manches. Premièrement, je vais cacher toutes les cartes V-Bucks, sauf celle-là. Ils vont avoir 10 minutes pour les trouver dans toute la villa. Quand c'est fait, on fait le décompte et voir celui qui a gagné le plus de V-Bucks. Ensuite, deuxième manche qui va être extrême. Il n'y aura que cette carte-là à chercher dans toute la villa pour la deuxième manche. La personne qui la trouvera se mettra très Gucci. Pour l'instant, les potes, ils sont dans la piscine. Ils sont pas au courant du cache-cache, donc on va pas trop les informer. Regarde. Wesh, les copains. Je pense qu'ils ont pas capté, frérot. Je leur ai pas montré. Donc là, ils sont dans la piscine. On va tenter de les cacher à droite à gauche, ok? Pile avant que la vidéo commence, pensez au pouce bleu, à l'abonnement, je compte sur toi. Et surtout parce que vous êtes seulement 35% à être abonné à ma chaîne secondaire tout en regardant ma vidéo. On est à ça, passer les 700 000 abonnés. Je compte sur toi pour bien vérifier que t'es abonné. Active la cloche et bon visionnage. Ouais, je vais cacher la première carte. Alors, je vais ici. Trop bonne idée. Il faut que je mette 5000 dans les orbis. Je la mets comme ça. Hop, ça fait une première carte. Là, on va mettre une 2800 V-Bucks. On va la mettre ici là. Ouais, ça me fait flipper de ouf en plus. Hop là. Genre, sous le pot là. Ah ouais. Sous le pot de golf. Sous le pot de ma vidéo trickshot, frère. Hop. Vas-y, tu mets sous le pot. Ah bah là, il y a la balle. Je pense que je vais mettre une petite 1000 V-Bucks. Ouais. La petite 1000 V-Bucks. Là, dans un des trucs, et tu fermes l'armoire. Et je ferme l'armoire. Je pense que cet étage, on a tout fait. Vas-y. On descend en bas. J'en ai encore une quinzaine. Ouais, je suis une poule. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais mettre une 2800 V-Bucks ici. Hop là, dans le sèche-linge. Mec, en plus, quand on l'a retourné, toi, derrière, c'est blanc. Bah ouais. Après, ils vont rien capter du tout. Ouais. Je vais mettre une. Ah, mec, je sais où. Je vais la mettre là. Regarde. Sous le PC. Ouais, genre là. Sur la clim, je vais mettre une 2800. Je regarde pas, là, je suis en train de sécher. Ça va les gars? Oui. Rattrape la balle. Oh wow. C'était pas mal. Mille, en plus, c'est vert, ils vont pas remarquer. Nul derrière, peut-être, non? Plein derrière. Non, mais frère, après, ça fait trop dur. Voilà, c'est bon, je l'ai mis. On la voit pas. J'en ai encore 2 à cacher. De retour la piste? Ouais. Ok. Non. Sur celle-là, on la met dans l'eau. Non. Ça va. Il y en a un qui est obligé de jeter. Est-ce que vous pouvez aller quelque part pour qu'on puisse cacher peut-être vers la piscine? Mais au pire, vous cachez pas là et vous cachez pas les couilles. Oh je pense qu'il faut qu'ils aillent au-dessus pour qu'on puisse bien cacher ici. Ouais. Vraiment. Ok, ils sont plus là, ça. Donc, un autre, il triche là. Eh, ça triche pas là. Tu vois, tu es un tricheur. Rentre dedans. Pour moi, j'en mets une. Quoi? Au fond de l'eau, bloquée sous un trou. Au fond de l'eau? Ouais. Non, mec, mais là, pas là. Ils y arriveront jamais. T'es un ouf. Pourquoi il a mis dans le trou là, frère, dans la piscine? La dernière, on l'a mis derrière le truc à fléchette. Voilà. Bon, les gars, on l'a tout caché. On fait pas trop de bruit, maintenant on va tous les appeler. Ils vont avoir 10 minutes pour trouver le plus de V-Bucks. Quand la première partie sera finie, on va en faire une deuxième, où là, cette fois-ci, ce sera cette carte-là. Pensez au pouce bleu, à l'abonnement si vous êtes nouveau, et à tout de suite. Bon alors, je vais vous expliquer. Il y a environ une 20aine de cartes à chercher dans toute la villa. Sauf à l'arrière de la villa, il n'y en a pas. Et au niveau des planches en bois, il n'y en a pas. Il y a combien de, par exemple, 1000 V-Bucks, de 5000, il y en a combien de chaque? Peut-être 7-8 cartes de 1000 V-Bucks, 5 cartes de 2800 et 5 cartes de 5000. Il n'y a pas de carte de 10 000? La carte 13500, en fait, du moment où vous allez chercher les cartes, je cacherai cette carte-là dans votre dos. Voilà, je vous laisse une trace, comme ça j'ai... Attends. Voilà, je pourrais ressentir mon odeur. Moi j'ai une petite technique, c'est... Comme les chiens. Ouais, c'est mon odeur. Après lui. Et moi, il n'y a pas de technique parce que à chaque fois que je ne... Allez, à la fin des 10 minutes, ça sera stop et vous allez devoir tous revenir ici et compter combien vous avez eu de V-Bucks. Les V-Bucks, où est-ce qu'ils sont cachés? Ça peut être caché sous des objets, c'est pas forcément visuel. Ça peut être caché, il faut peut-être soulever des choses, il faut peut-être se mettre en hauteur pour voir au-dessus. Bon, ça parce va, que... je peux soulever Brice. Et moi j'ai l'habitude avec tes... 3, 2, 1, go! Ils sont tous partis, frère. Ils sont tous partis. Ils sont pas regardés. Oh, sa grand-mère, j'ai... C'est pas bon, je crois que c'est l'étape. Après, c'est ici. Ok, là, je suis dans le truc des machines à laver et tout, je vais revoir. Regarde, on est off. La machine à laver, là, sur les bords et tout. Il n'y a rien. Oh, s'il a mis une carte dans la machine à laver, là. Non, j'ai un flingue dans la main. Oh.
Oh là là, je suis dans la cuisine, les gars. Oh, déjà une. 1000 V-Bucks, let's go. Je défais vos pieds. Après, il est trop bien fait pour que en dessous ça soit comme ça dégueulasse. Ouais, moi, il y a un souci. Moi, je peux donner des indices, et si tu veux que j'y aille, il y en a pas dans cette pièce. Comment ça, tu donnes des indices, espèce de bâtard? Mais vous allez où? Vous êtes... Il manque une pièce. Mais c'est de la triche. C'est de l'indice. Oh, j'ai trouvé. Les gars, je vous pose là, je suis obligé, je vais dans l'eau. Il y a une carte dans l'eau? Oh, il y en a une là. Oh! Il y en avait pas. Yeah. Moi je me casse, tu fais gagner du temps. Ok, y'a rien. Comment ça mange rien, la lumière? Oui, il y a le canapé là. Y'a rien. Sous le Mac, y'a rien. Putain, Starf. Non, les gars, y'a vraiment rien du tout. T'es dans le pot. Oh, les secours. Oh, j'ai trop chute. My name is Tony Stark. Et moi je suis pas dans la panique ou quoi. Je pense que je vais trouver tout assez facilement. Ça sent le bif. Ça sent le bif, les amis. Je parle pas du bœuf. Oh, quelqu'un l'a trouvé celle-là. Ah, quelqu'un l'a trouvé, ouais. T'as vu? Ouais, ouais. Oh non, il en reste. Ah, t'étais trouvé. Ah, t'étais trouvé. T'as trouvé Brice? Ouais. Montre-moi. Ah, vas-y. Fais. Oh! Ah! Ah oui! Ah oui, je suis beau! Oh, que je suis trop beau! Oui, je l'ai! Oh putain, oh, je suis trop bon. Brice, il m'a dit, il y a une carte dans l'eau, il m'a pranké, il croyait qu'il y avait rien, j'ai été, il y a l'été. Et il y avait du coup la 5000 qui était là, qui l'a trouvé. Elle t'a donné ton corps hein, pour y aller. Hein. Ah ouais, mais je m'en fous. Tout pour les V-Bucks. Personne n'a regardé, je crois. Oh, let's go! V-Bucks encore, les gars. Je viens de rec au lieu de le trouver devant moi, frère. J'ai 2000. Je savais qu'il y avait un truc ici, je le sais. Dehors en fait, c'est évident qu'il y en a une dehors. C'est évident qu'il y en a une par ici. Voilà, je le savais, les amis. Là, j'ai une petite vision globale de la villa, les amis, qui peut me permettre de peut-être voir des choses que les autres ne voyaient pas. Ouais, mais moi, c'est violet. Ah, tu vas enculer. Bon, les gars, là, c'est compliqué, j'ai pas vomito. Ah, c'est compliqué parce que la villa en soi elle est grande, mais en plus 500 000 mètres carrés quoi. Donc, du coup, j'ai l'impression de déjà avoir fait le tour en fait. Là, ça va plus être stratégique en fait. En fait, faut réfléchir différemment. Et si moi j'étais quelqu'un qui cachait les cartes, où est-ce que je les cacherais? Où est-ce? Ça va. J'avais trouvé 3 cartes. What? J'ai trouvé 3 cartes. Ah ouais, t'es déjà allé à la piscine ou pas? Oui, mais pas dans l'eau. J'ai dit à ce moment, j'ai fait une ligne dans l'eau, il a sauté. T'as retrouvé ta casquette à la piscine? Non. Oh, c'est un indice. Oh le bâtard, il y en a mis une derrière ma casquette à la piscine. Oh ma casquette! Oh! Je peux voler une carte? Putain, il faut que je l'ai dit. Les gars! Ça compte si je vole une carte? La carte est là, tu vas y. Quoi? Comment tu l'as fait? J'ai cherché la position du lit, je l'ai piqué. Oh, regarde, il parle. Du coup, ça compte ou pas? Ouais, c'est entre vous, hein? Si c'est pas. Si c'est pas. Nous, on arrive. Je sais plus où j'ai posé mes cartes, les gars. Oh la catastrophe. Oh, premier degré, les gars, j'ai perdu mes cartes. Eh les gars, j'ai perdu mes cartes. Tu t'es calme? Ouais. Je te jure. Et comment t'as fait? Je sais pas, je les ai posés quelque part, je sais pas où. Je suis rentré là, je sais pas où je les ai mis. Tu sais pas où t'as mis les cartes? La victime bolos. Tu as été bolossed, ouais. Il y a une carte. Il y a une carte dans ta chambre. Pas été trouvée encore? Qui a pas été trouvée dans ta chambre. Si tu veux repartir à zéro. Mais non, je peux pas repartir à zéro, elles étaient quelque part. Je les ai mis quelque part, frère. Il y en a. Non, pas une. Oui, mais oui, mais je les ai perdus, mais je les avais là il y a quelques secondes. Je suis rentré dans ma chambre, je sais pas où je les ai mises. Ah, bah. En vrai, mec. T'inquiète pas, on les retrouvera. Non. C'est pas, mais on les retrouvera, je pense, on les retrouvera. Ah putain. Ok. Mais il y en a une dans ma chambre. Je trouve qu'il fait un peu chaud ici. Un peu chaud. Mais non, oh, il est trop fort. Attends. Mais non. Mais si. Oh, il est trop bon. Oh, il est trop bon. Théo, je peux te dire un secret? Quand ce mec était en train de chercher, il a laissé sa carte sur son lit et je l'ai piqué. Il est en train de chercher. Attends, est-ce que vous le voyez chercher là, dans sa chambre? Mais il s'agirait de retrouver les autres maintenant que j'ai perdu, wesh. Hey, Brice, ouais. Je crois que t'as pris mes cartes. Ah ouais.
T'as pas trouvé des cartes par terre ou sur la table? Non. J'ai perdu une carte verte et une carte violette. Non, vraiment, j'en avais pas trouvé par terre. Vraiment, no joke. C'est pas possible, je les ai mis où? Bon, les gars, on retourne à la piscine parce qu'à tout moment, elles sont à la piscine en fait. Brice? Ouais. Il te reste 3 minutes. 3 minutes? 3 minutes, il reste là? Je te conseille de monter un peu. Ah ouais? T'es sûr? Je parle de la carte qu'il y avait en dessous, j'ai déjà. Non, c'est pas celle-là. Ok, c'est pas là-dedans. Bande de bâtards, c'est pas là-dedans. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Mais non, mais. Non, mais là, c'est les affaires qui sont en train de sécher, les gars. Un petit peu de merde là-dessus quand même. On va penser à les laver un peu plus souvent. Les gars, je suis dégoûté. Je les ai réellement perdus. Ou je sais même pas, frère. Les amis, il reste 30 secondes et il y a une carte sur la terrasse. Quoi? Terrasse. 20 secondes, une carte sur la terrasse. 20 secondes. Théo, il est encore à l'intérieur alors je dis qu'il y a une carte sur la terrasse. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main en l'air. Stop. Où est-ce que j'aurais pu les mettre? C'est incroyable. Non, en gros, j'avais mes deux cartes dans les mains. Bah oui, j'ai trouvé une carte violette dans l'eau. Dans l'eau? Oui. En gros, écoute. J'avais une carte violette et une verte, je les avais dans la main, j'étais dans ma chambre et je les ai pris. Moi je sais, ouais. Où sont tes cartes? Où? À ma gauche. À ma gauche. Ça. À ma gauche. À ta gauche. Ah mais tu me les as volées? Mais non. Et tu veux savoir un truc? Elle est venue me voir, elle m'a dit... Ah, allez, j'ai volé les cartes. Non, j'ai pas volé, je l'ai trouvé, je l'ai pris. Tu les as trouvé où? Réalité. Tu trouves une carte, tu la laisses traîner. Non. Moi je chasse des cartes, je trouve une carte, il je la prends. Il est logique. Non, mais elle est venue me le dire en cachette. Mais toi ferme ta gueule. Je te laisse la carte verte. Voilà, il laisse la carte. Moi je suis un bandit. Incroyable, regardez. Quoi? Bah voilà, tu vois, je t'avais dit. Oh, c'était voilà, collé. Tiens, mais je te taxe la main. Ah bah c'est bon, je prends la violette. Ouais. Ok les amis, malheureusement, vous avez pas trouvé toutes les cartes. Il y en a deux que vous n'avez pas trouvé. Avant, on va faire le comptage. Overtake, combien de cartes? Deux cartes, 7800 V-Bucks. Pas mal. Brice. What? Alors. What? En plus, t'as une 5000 en plus. Ça fait combien? Alors, ça fait 5000, 7800, 8800, 10800. Attends, mais moi, j'aimerais savoir où t'as trouvé l'autre violette. La violette, j'ai trouvé derrière la cible de fléchette. Non, il y en a fait deux là-bas. C'est lui, tu aurais dû voler. Yusra, combien de cartes? 3 cartes. Pas mal. Mais malheureusement, c'est que 10000 V-Bucks, ça fait quand même. 3 cartes, mais il y en a une que j'ai volée. Bah du coup, vu qu'elle a volé, bah je suis dernier. Non. Théo, je vais vous expliquer un truc. J'ai eu le temps de descendre en bas, chercher dans le salon, aller dehors à la piscine, remonter. Théo, il était encore sur la terrasse, il a fait, j'ai trouvé une carte. C'est vrai. Les amis, suivez-moi, je vais vous montrer où est-ce que vous avez pas trouvé les deux cartes. Ok, okay. Parce que je vais prendre. Et ben non, hop, hop, hop. Ah, mais non. Il y a une carte ici. Impossible. Les gars, à l'intérieur là, il y avait une carte 5000. Ça a été fouillé par 3 personnes en même temps. Théo Sarny, il veut se suicider parce qu'il s'est trompé. La mort est proche. Viens, viens, viens. Il y a encore la 13500 que tu peux trouver tout à l'heure. Bien, allez, viens. Me tire pas trop vers toi. Et la carte que vous avez pas trouvée et que tout le monde est passé dessus 50 fois, c'était trop marrant. Vas-y, en vrai, c'est trop galerie celle-là. Arrêtez-vous ici! Tu dois aller dans la cuisine, vas-y. Va dans la cuisine. S'il la trouve, tu peux dégager, s'il te plaît? Oui, bien sûr, mais c'est pas derrière moi, sinon je me serais. Vas-y, c'est bon, va dans la cuisine, va dans la cuisine, va dans la cuisine. Les amis, on peut monter là-haut, vous me laissez 2 minutes, je cache les 13500. Mais attends, j'ai une question. À tout de suite. Attends. Mais du coup, celui qui va trouver la carte, il a tout gagné du coup. La carte gold? Oui. C'est marrant. Qu'on a fait, c'est ça, rien? A tout de suite. Tu vas où là? On ferme la porte. Ok, on l'a mis où celle des cartes? Je la mets dans la peau de prod, Cosette. Et le truc qui va être marrant, c'est qu'on va mettre le pot de prod devant tout le monde. Entrez ! Les amis, vous allez avoir 5 minutes, pas à l'étage, pas de piscine. C'est parti ! Vous avez 5 minutes, c'est pas à la piscine et pas à l'étage. Ça peut être... Waouh ! Brice, il est hardcore dans la poubelle. Tu refroidis. Allez, trouve la 13500. Ouais, j'aimerais bien moi aussi la trouver, la 13500. Une minute ! Il reste 4 minutes en gros. Je pense que la carte est à l'intérieur, étant donné que je suis dehors et que personne me suit. Ah, tu refroidis, frère, tu refroidis. Jure. Tu refroidis. Mais what, elle est où, wesh? Une très belle vue. Jure. Une très belle vue. Bah regarde, on voit la, on voit à pleine nuit. Ah ouais, j'avoue, trop bien la vue et tout. Mais tu refroidis quand même. Ah putain, fais chier. Oh, 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 oh. Oula, la petite tension là. La 13500, je sais pas si vous en découvrez, les amis, c'est plus de 100€. Arrête de mettre la pression, toi là. Il vous reste 2 minutes, time. Théo est un petit peu froid. Vous pouvez pas donner un indice? Indice cuisine. Hey.
sera persécuté. J'ai vraiment cru que t'allais gagner, frère, parce que quand t'as commencé à soulever les trucs un par un là, à ouvrir le pot de prod, je fais. Il va ouvrir celui-là. Mais oui, en fait, au moment où j'ai refermé celui-là, bah, il venait de trouver l'autre. Ouais, 13 500 V-Max. En plus de tout ce que j'ai eu avant. Ah 21 300 V-Max au total. Les amis, j'offre une carte de 5000 V-Bucks sur mon Instagram. N'hésitez pas, les amis, à aller check la dernière photo Instagram qui s'affichera juste ici. Tu la likes, tu me suis bien sur Instagram et on fera un tirage au sort après 48 heures. Mais si t'as pas eu 4 autres V-Bucks, tu peux participer au concours qui est sur mon Instagram pour gagner 5000 V-Bucks. C'est tout simplement en première ligne de description. Est-ce que moi aussi je peux participer pour avoir encore 5000 V-Bucks? Non, t'as pas le droit. Toi, tu vas sur un PC, tu achètes des skins là tout de suite. Bon, bah, j'y vais de ce pas, frérot. Okay. Vas-y, gratte. C'est maintenant où je dois gratter. Combien de personnes vont essayer de mettre le code? Alors que ça ne marchera pas parce que je l'aurais mis juste maintenant. Ok, alors, le code est le suivant. 6ZR7J9. Attention. PC. Attention, next. Regarde, Brice Lastico. Oh, c'est en plus c'est bazar qui m'avait changé mon solo à Dubaï. D'ailleurs, tu l'aimes bien, tu l'as pas encore? Ouais, en vrai, je l'aime bien. Non, je le trouve marrant. Ok, confirme. Attention. Trop bien. Et attention, j'ai encore ça à faire avec combien de cartes? Je sais plus, 21 000 V-Bucks. Je vais me régaler, les gars, là. Ah, là, je peux vous dire, je vais me régaler.